Are you using Check. Photoshop?
Good afternoon, everyone. It's 7 minutes past two. Il est 14h07, donc vous êtes invités à prendre place pour que nous puissions commencer nos travaux. Parties, I'm still looking for a few more voting cards. I can send you a message when you respond. Nearly there. Nous y sommes presque. Insérez vos cartes, s'il vous plaît.
Thank you, everyone. We have our quorum. Merci. Nous avons le quorum maintenant. Nous allons donc commencer. J'avais dit que nous prendrions les trois premiers comptes rendus résumés. On m'a demandé d'accorder un peu plus de temps. Donc, nous allons traiter le premier pour aujourd'hui et les deux suivants demain. Donc, COP 19, comité de REC 1, publié hier. Les États-Unis. Merci, madame. Quelques corrections au COP 19 comme de REC 1. Sous 7.6, sur le projet sur les délégués parrainés. Accordez-moi un instant. Désolée, il faut que je mette de l'ordre dans mes pensées. Bon, alors, je passe la parole à l'Union européenne dans ce cas. Merci, madame. Donc, c'est pour celui-ci, mais aussi pour tous les suivants. Lorsque l'Union européenne est mentionnée, il faut toujours ajouter l'Union européenne et ses États membres, sauf dans le contexte des groupes de travail, bien sûr, où la liste des participants est donnée, donc on peut ne parler que de l'Union européenne. Merci, c'est noté. Les États-Unis, donc. Merci, madame. Toutes mes excuses. Et effectivement, il nous fallait prendre un peu de temps. Donc, concernant ce projet sur les délégués parrainés, après la phrase qui se conclut par exprimer leur déception quant au manque de soutien financier, les États-Unis ont exprimé leur soutien pour les États-Unis suggèrent. Je vais vous redonner lecture. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire exactement où vous êtes dans le paragraphe? Donc, dans la version anglaise, c'est dans le deuxième paragraphe. Deuxième phrase. Là, donc, au lieu de dire l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, donc, nous biffons les États-Unis d'Amérique ici. Donc, c'est seulement l'Union européenne. Et nous ajoutons cependant une nouvelle phrase. Comme suit, les États-Unis ont également exprimé leur soutien au projet sur les délégués parrainés, au projet de décision, ainsi qu'aux amendements concernant l'équilibre entre les sexes. Et ont suggéré que le PNUE devrait considérer de renoncer au coût d'administration pour ce projet. Ensuite, plus loin, toujours sur le même paragraphe, où il est dit actuellement, c'est la dernière phrase en fait, qui actuellement dit « Les États-Unis d'Amérique soutiennent le maintien de la décision 18.12 ». Nous souhaitons ajouter à cette phrase, notant qu'il leur paraît judicieux d'intégrer le paragraphe A de la décision 18.2 dans la résolution CONF 17.3. Et puis, je crois qu'il y a encore une autre. Non, c'est tout. Désolée, c'est tout, madame. Merci aux États-Unis.
Okay, seeing no more comments on summary. Il n'y a pas d'autres observations sur ce document. Donc nous revenons au 66.7 que nous avions abordé avant la pause. J'avais trois intervenants inscrits sur ma liste avant la pause, donc je leur offrirai la parole dans un instant. Et j'avais entendu d'abord le Malawi qui ont présenté le document et les États-Unis ensuite qui ont parlé d'un nouveau projet de décision s'adressant au comité permanent, mais je n'ai pas... nous n'avons pas eu de détails ni de texte spécifique. Donc, je pense qu'il serait utile que quelqu'un nous explique ce que pourrait contenir une nouvelle, ce projet de décision. Malawi, est-ce que vous êtes en mesure d'expliquer à vos collègues ce que contiendrait ce projet de décision à l'adresse du comité? Merci, Madame, de nous donner la parole. En gros, le document, donc pour ce qui est d'ajout, de nouvelles instructions à ajouter, il y a donc une partie à l'adresse du secrétariat, 19AA, et sous A, petit A, donc... nous avons ajouté sur la base du mandat découlant de la décision 19BB. Nous avons envoyé ce texte au secrétariat. Non, excusez-moi, Malawi, je n'ai peut-être pas été claire. Mais je crois qu'il sera difficile de parler du libellé réel de vos modifications. Et donc, c'était juste pour voir si les parties sont intéressées à examiner cela. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer le sens surtout de ce projet de décision que vous prévoyez d'adresser au comité permanent? Merci. Eh bien, donc pour ce qui est de l'adresse au comité permanent, nous proposons de créer un groupe de travail intersessionnel jusqu'au SC76 et le mandat, projet de mandat serait présenté à la 77e session et le comité permanent examinerait et approuverait le mandat élaboré par le groupe de travail. Et en B, le comité permanent examinera le rapport du consultant établi selon la décision 19AA et déterminera si notre processus est nécessaire. Et ensuite, il faudrait prévoir une évaluation. Et en E, le comité permanent prépare un rapport avec ses recommandations en vue d'actualiser le processus des PANI pour examen à la conférence des parties à sa 20e session. Merci, madame. Merci. Donc, ce que je retiens, c'est que outre la proposition que nous avons, le Malawi propose encore un nouveau projet de décision à l'adresse du comité permanent qui créerait un groupe de travail intersession, lequel serait chargé d'élaborer le mandat pour poursuivre l'évaluation du processus des PANI. Et à sa 78e session, le comité permanent examinerait le travail de ce groupe de travail, donc le mandat qu'il aurait élaboré. Et à ce moment-là, le secrétariat engagerait le consultant chargé de l'évaluation. Donc, maintenant, j'ai le Togo, ensuite le Mali et puis le Cambodge.
Si les parties que j'ai appelées sont présentes, vous pouvez avoir la parole. Le Togo. Merci, Madame la Présidente. Juste pour dire que le Togo soutient les propositions de Malawi, Sénégal et des États-Unis. Merci. Thank you, Togo. Merci, Togo. Est-ce que le Mali ou le Cambodge? Le Cambodge. Merci, Madame. En ce qui concerne la mise en œuvre, le Cambodge souhaite signaler à la conférence des parties que le Cambodge a déjà mis à jour son inventaire, l'inventaire de son stock d'ivoire, à peu près 65% des stocks saisis. Et d'ici la fin de l'année, nous aurons atteint à peu près 90% nous aurons fait l'inventaire d'à peu près 90% des saisies, conformément aux recommandations CITES. Et pour ce qui est de l'enregistrement, les éléphants, nous devrions l'avoir complété vers la fin de l'an prochain. Donc tout cela, nous avons pu le faire grâce au soutien de la Commission européenne et de l'ONU-DC qui nous ont apporté leur soutien, notamment matériel, pour ce faire. Merci. Et voilà donc le rapport du Cambodge concernant la mise en œuvre, l'exécution de NIAP au Cambodge. Merci. Permettez-moi de vous rappeler qu'avant la pause du déjeuner, nous avons entendu le Malawi présenter le document et qui avait également donné son soutien aux amendements proposés par le secrétariat. Ensuite, les États-Unis ont dit qu'ils n'appuyaient pas l'amendement proposé par le secrétariat sur 19AA sur la nécessité d'engager un consultant pour faire le travail. Et ensuite, cet après-midi, le Malawi nous a dit qu'il souhaitait proposer un nouveau projet de décision. J'ai demandé au Malawi de ne pas nous en donner le texte, mais de simplement décrire le concept parce que je voulais savoir si les membres sont intéressés à examiner cet autre projet de décision en sus de ce que nous avons jusqu'ici, parce que ça me permettra de voir comment procéder. L'Union européenne a la parole. Merci. Je m'exprime au nom de l'Union européenne et de ses États membres. Nous remercions les auteurs du texte. De manière générale, nous sommes en faveur d'un processus PANI solide et efficace, car il est un outil essentiel pour lutter contre le commerce illégal de l'ivoire. Et donc, nous sommes en faveur d'un examen externe du processus en vue de renforcer ce processus. Et donc, si nous sommes en accord avec l'objectif général du document, nous souhaiterions néanmoins avoir un examen aussi concret que possible et orienté sur des problèmes et spécifiques. L'examen doit porter sur les problèmes qui ont été identifiés, par exemple, au paragraphe 7 du document, mais pas un examen du processus tout entier ou de tout, ou un examen général de tous les aspects des lignes directrices du PANI. Il faut réparer ce qui ne marche pas, mais pas ce qui fonctionne. Dans la même veine, les États-Unis, l'Union européenne et ses États membres notent que les décisions proposées, en particulier en référence à 19AA, ne reflètent pas pleinement le raisonnement précisé au paragraphe 7. En outre, les décisions, en particulier 19AAAI, semblent laisser entendre que
Si l'examen doit être fait, donc un examen de PANI, mais on n'envisage pas vraiment un examen du processus dans son ensemble. Donc, selon nous, il faut redéfinir le mandat pour qu'y faire un lien direct avec le paragraphe 7 du document. Et pour le reste, nous sommes en faveur d'un examen des points 7C, D, E, H, mais pas F, G et I. Maintenant, suite à la discussion de ce matin, le Malawi semblerait vouloir demander au comité permanent de créer le mandat pour cet examen. Mais plutôt que de charger le comité permanent de cette tâche supplémentaire, nous préférons que les mandats soient définis ici à la COP. Ensuite, nous souhaitons savoir comment cette nouvelle suggestion du Malawi se complète avec le 19AA actuel qui prévoit déjà en fait un mandat et définit le mandat de cet examen. Nous pourrions aussi maintenant voir quels sont les éléments du paragraphe 7 que nous soutenons et pour quelles raisons. Et nous verrons aussi des textes à proposer pour définir le mandat de cet examen. Mais j'attendrai, Madame, de voir comment les parties ici présentes souhaitent procéder. Merci à l'Union européenne et merci de vous être interrompu à ce stade. J'ai le sentiment, avec la nouvelle proposition du Malawi et votre suggestion de peut-être définir ici à cette COP le mandat, peut-être qu'il serait nécessaire de créer un groupe de travail en session. Alors, j'avais dit que dès que j'aurai le sentiment qu'il faut constituer un groupe, je le signalerai. Et donc, pour le moment, nous allons entendre Singapour. Merci. La RESCONF 10-10 a été révisée au COP 17 et 18 pour combler les lacunes dans les processus des PANI. Les pays travaillent en étroite collaboration avec le secrétariat pour améliorer et renforcer les mesures de lutte contre le commerce illégal. Les secrétariat est allé dans les pays pour observer les mesures prises sur place. Certains pays régulièrement omettent d'envoyer leur rapport. Comme nous le voyons dans la discussion sur l'application de l'article 13, du document 13, certains pays ne respectent pas, n'appliquent pas les mesures demandées, donc ne sont pas en conformité avec le processus PANI. Le Singapour est donc en faveur de retenir les services d'un consultant. Et nous sommes donc d'accord avec commentaire fait par le secrétariat et l'amendement qu'il propose pour le 19AA. Merci. Le Mali a la parole. Merci bien, madame. On avait eu un problème avec notre carte. Heureusement, les techniciens qui sont les plus habiles pour résoudre, ils sont parvenus à les faire. Je vous remercie encore. Nous, c'était justement pour mettre en exergue ici un aspect aussi très important par rapport à PANI. Cela fait plus de 10 ans maintenant que ce processus est en cours. Aucune évaluation n'a été faite pour montrer justement alors toute sa valeur de pouvoir aider les États en question. Donc notre souci, c'est quoi aujourd'hui? C'est de faire en sorte que, avec les pays qui viennent de soulever le Malawi, le Sénégal et les États-Unis, et que nous tenons justement leurs préoccupations, que ces préoccupations puissent être mises en exergue pour que le PANI puisse être valorisé dans nos États. Sinon, on n'est pas en train de chercher à connaître les résultats par rapport à ce qui a été fait ou ce qui n'est pas fait, et aussi à le cadre de l'outillage même. Les États concernés, ils ne sont pas à mesure de produire ces documents, à cause de quoi ces problèmes sont connus à leur niveau. Donc voilà ce que j'avais comme préoccupation à vous soumettre. Et si on pouvait vraiment faire en sorte que le PANI puisse être valorisé aujourd'hui et que ça soit actualisé, permettre aux États d'en profiter suffisamment. Je vous remercie bien, madame.
Thank you, Mali. United. Merci au Mali, le Royaume-Uni. Thank you, Chair. Merci, Madame la Présidente. Avant de gagner du temps, nous serons brefs. Nous sommes d'accord avec les opinions du Malawi et des États-Unis sur le projet de décision proposé dans le document COP19 DOC 66.7 pour l'établissement d'un mandat pour l'examen. Merci. Thank you, United Kingdom. Merci au Royaume-Uni. Thank you. Merci à tous et à toutes. Je pensais qu'on aurait peut-être un groupe de travail, je vais limiter les discussions. Néanmoins, j'aimerais entendre 15 observateurs, un ou deux, si possible, avant de formuler à suivre. LAU et Trafic. EIA au Royaume-Uni. Merci, Madame la Présidente. La première fois que nous exprimons, nous aimerions donc remercier le Panama de leur chaleureux. Nous vous félicitons pour votre présidence de ce que nous avons réalisé au nom de notre association WCS, WWF, le Centre pour la biodiversité, le regroupe animaux, ProWildlife, la Fondation Tus, The Shepherd Wild Foundation, la Fondation Frontier, Robois, Animal Welfare Institute, Born Free, SSN, Human Society International, IDEM, etc. Le processus d'épanouissement en réponse à braconnage, il vient de reconnaître le braconnage en forme de criminel grave, mais cela fait présent que ce processus a été et examen indépendant, donc plus que nécessaire d'essayer pour vérifier ce processus à les objectifs qui avaient été dans le cadre de la résolution 10-10, donc pleine, ce qui est indiqué dans le document 36-7 demandé par le Sénégal et les États-Unis afin de continuer à renforcer le processus des plans nationaux pour l'ivoire. Trafic, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, soutien plein de projets de
décision, donner un examen des processus pénales, d'améliorer son efficacité et de conformité graphique, en particulier à saluer les options qui permettent de renforcer la transparence, la reddition de compte, le suivi et la conformité par rapport au processus de la PI. Également note de rappeler qu'une définition critère pour les ayant besoin d'assistance pour ce processus PANIP, catégorie A, C, juste que justifié en particulier, pour qui a trait au, à ce qui est les définitions plus touchées, très touchées au cas commercial des clair ou des claires interprétations des résultats de l'examen. Pour définir a besoin d'une distance de ce problème, ce qui devrait être par le groupe en consultation avec le secrétariat de trafic. Une évaluation écrite d'entrée dans le processus, de sortie du processus, voilà ce qui devrait également être aussi l'examen de ce processus. Merci. Merci à tous. Faire à présent, car en fait nous avons une approche légèrement différente de ce que nous pouvons faire, établir un travail, un groupe rédacteur du moins. Proposition, celle de oui, soutenue par les États-Unis, à savoir cette décision de saisie. Le document, plus la nouvelle décision qui a été le Malawi, n'est pas le sous les yeux, mais le contenu a été transmis par rapport au mandat de l'examen, ou son cahier des charges. L'UE, de son côté, a proposé ce qui peut être notre idée, un groupe de travail pour le cahier des charges, le mandat de cette réunion. Question. Technicien, l'on peut effacer ce qui j'aimerais lancer quelque chose de différent. Et demander à vouloir appuyer sur le bouton par la fenêtre. Donc, pour l'instant, si vous êtes intéressé, les représentants de réduire le mandat, je demande d'appuyer sur le bouton maintenant. Rédiger le mandat, l'examen du panel pendant cette session dans le cadre. Travail. Appuyez sur le bouton, c'est le cas. Possibly more than working with everyone. Être plus du groupe de. Technicians, can you just scroll so I can see? Les techniciens, est-ce que l'on peut faire défiler les choses à l'écran, s'il vous plaît? Thank you, technicians. Je remercie les techniciens. You can clear the list. On peut effacer ce qu'il y a dans la liste.
All right, thank you everyone for your patience. Merci à tous et à toutes de votre patience. Comme je l'ai indiqué, je pense qu'il faut en fait un groupe de travail sur ce document. Ceux qui ont appuyé sur leur bouton m'ont fait voir qu'il y avait un bon soutien en faveur d'un groupe de travail donc pour la définition de ce mandat pendant cette session. Le Sénégal, vous avez un commentaire à formuler sur le concept selon lequel j'établirai un groupe de travail avant que j'explique ce que j'aimerais que fasse ce groupe? Oui, le Sénégal, c'était juste pour appuyer la piste sortie que vous semblez indiquer, qui me semble vraiment plausible, c'est la mettre en place le groupe de travail. Thank you, Sénégal. Je vous remercie, le Sénégal. Alors, je vais établir un groupe de travail pour examiner la rédaction du mandat du cahier des charges pour l'examen du processus de PANI. Et établir donc le mandat si dans le cadre de ces travaux ce groupe décide d'établir le mandat. C'est donc une discussion qui incombera au groupe en faisant fond sur le document 66.7. Le groupe travaillera ainsi que sur la nouvelle proposition de décision du Malawi qui fournira, j'en suis sûr, son texte au groupe de travail afin de préparer un ensemble de nouveaux projets de décision sur l'examen du processus du plan d'action national pour l'Ivoire pour examen par le comité. So I will shortly take membership of that. Alors, je vais voir qui veut être membre de ce groupe de travail. Ce serait bien que ça reste un groupe restreint. Donc la tâche qui incombera au groupe de travail, ce sera d'établir le cahier des charges des États-Unis. C'est pour poser une question ou pour participer au groupe de travail? Thank you, United States. Je vous remercie, les États-Unis. OK, so parties. D'accord, alors. Tout d'abord les parties, puis les observateurs. Mais pour l'instant, les parties qui souhaitent participer au groupe de travail que je viens de décrire. Okay, on my list. Alors, sur ma liste. Merci de ne plus appuyer sur les boutons, sinon je ne veux pas comprendre qui vote dans le groupe. Donc je vais lire les parties que j'ai sur ma liste. Ensuite, on va vider ce qu'il y a sur cette liste. Et si j'ai oublié quelqu'un, à ce moment-là, vous pourrez appuyer sur le bouton pour que je vous ajoute. Mais je vais donner lecture pour l'instant. Donc merci de ne plus appuyer sur le bouton pour l'instant. Merci d'arrêter d'appuyer sur les boutons, s'il vous plaît. Sénégal, États-Unis d'Amérique, Belgique, Union européenne, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Chine, Kenya, Singapour, Cambodge, Thaïlande, Angola. Thank you, technicians. You can clear that. Je remercie les techniciens de bien vouloir effacer ces noms. Si je n'ai pas
donner lecture de votre nom et que vous voulez participer au groupe de travail, à présent, vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton pour participer. Malawi. Le Malawi. Malaysia. Malaisie. Vietnam. République tchèque. Donc, si je viens de lire le nom, donner lecture du nom de votre pays, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton. L'Éthiopie en dernier. Merci à l'Éthiopie, c'est bon. European Union. L'Union européenne, vous souhaitez intervenir? Did you want the floor? We do have you. Vous avez donc la parole. Merci, Madame la Présidente. Juste pour être sûr du mandat de ce groupe de travail, nous avions l'impression que la décision, en fait, c'était d'établir le cahier des charges ici. En fait, on ne sait pas si vous ajoutez également la décision, le projet de décision proposé par le Malawi, avec une approche différente, en fait, par rapport au mandat du groupe de travail. Donc, je me pose la question suivante. Est-ce que dans le groupe de travail, on va également parler de l'approche à adopter ou est-ce que l'on va simplement définir le cahier des charges? Présidente, merci à l'UE. J'aimerais en fait limiter les allers-retours ici, les échanges par rapport à ce cahier des charges. Donc, la première tâche pour le groupe de travail, c'est de décider si vous souhaitez définir le cahier des charges. Voilà mon premier appel et ma recommandation. Ce serait bien sûr de faire cela en premier. Je vois beaucoup d'intérêt, en fait, dans ce sens, parmi les parties qui adhèrent au groupe de travail. Mais c'est une décision qui incombe au groupe de travail. C'est aux parties qu'il incombe de décider, bien sûr. Si la volonté du groupe de travail est celle-ci, vous pouvez établir le cahier des charges. J'espère que la décision pourra être prise rapidement. S'il n'y a pas de volonté dans ce sens, il faudra se pencher sur les décisions. Est-ce que c'est plus clair? Merci. Observers. Observateurs. Voyons qui souhaite participer au groupe de travail. Ok, I see WWF, et UK, WCS, Vassali et Trafic. Si j'ai bien donné lecture de votre nom, c'est que nous vous avons bien sur la liste l'UICN également. Vous pouvez réappuyer sur le bouton, donc si j'ai donné lecture de votre nom. WCS, c'est bon, nous avons votre nom. Okay, thank you everyone. Merci à tous et à toutes. J'aimerais demander à l'UE ou à l'un de ses États membres, est-ce que vous souhaitez présider ce groupe de travail? Sachant qu'il y a plusieurs États membres de l'UE au sein du groupe, ainsi que l'UE. European Union, you have the floor. L'UE, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente, de nous confier cette tâche. Ce que nous pouvons proposer, c'est la Belgique en tant qu'État membre pour présider ce groupe de travail, si les autres peuvent en convenir. La Présidente, alors pour moi, oui. Okay, thank you, European Union. D'accord, merci à l'UE et merci à la Belgique d'avoir accepté. Nous allons donc prendre des dispositions pour ce groupe de travail.
We will move on to COP. Poursuivons donc COP 19, DOC 21, examen du programme ETIS. Le présent document a été soumis par le comité permanent. Et je vais laisser la Belgique. We'll give you a moment, Belgium. Just take the floor. La Belgique. Nous allons vous laisser un instant. Vous pourrez prendre la parole dès que vous serez prêt. Thank you, Belgium. Merci à la Belgique. La Belgique va donc présenter ce document. La Belgique, c'est à vous. Merci, mes excuses pour ce retard. Ce rapport sur l'examen du programme ETIS. Document de travail 21 présenté par le comité permanent lors de la COP 18. Les décisions 18-18 à 18-20 ont été adoptées sur l'examen du programme ETIS. Lors de la C70, le cahier des charges a été adopté, y compris pour ce qui est de la question du chevauchement entre les obligations en matière de rapport. Lors de la C74, le rapport du secrétariat a été discuté et un ensemble de recommandations doit désormais faire l'objet d'un examen par les parties. Cet examen ETIS a examiné les résultats. Il était vu que c'était satisfaisant. Au départ, ce n'était pas l'objectif d'ETIS, mais des résultats analytiques ont été fournis pour analyser la conformité des processus. Certaines recommandations de l'examen peuvent faire l'objet des amendements suivants. Amendement de la résolution CONF 10-10 sur le commerce des spécimens d'éléphants et son annexe 1, nécessaire pour répondre à plusieurs problèmes tels que la facilitation des échanges de données entre ETIS, le secrétariat de la CITES et les partenaires IQUIC. Et la portée des données à présenter par les données pour inclure un minimum de données. La question de mise à jour, de gouvernance et d'accroissement de la supervision par le groupe consultatif a également été traitée, ainsi que la mise en adéquation des données ETIS par rapport aux dates et par rapport au rapport annuel sur le commerce illégal. La nécessité de financement ordinaire a également été mise en exergue. Ces amendements sont suggérés dans l'annexe 1 du document. Des amendements ont également été suggérés à la résolution CONF 11-17, REFCOMP 18 concernant les rapports nationaux. Afin de faciliter l'échange de données sur les saisies de spécimens d'éléphants entre les ETIS, le secrétariat de la CITES et les partenaires IQUIC, les modifications proposées sont à l'annexe 2 du document. En outre, le comité permanent a également été invité à établir un ordre de priorité des recommandations et à préparer un plan d'action chiffré pour leur mise en œuvre. 16 recommandations ont été jugées comme ayant étant de priorité élevée, 4 priorités moyennes et 5 priorités faibles. Ces priorités sont présentées à l'annexe 3. Le comité permanent a recommandé que, sous réserve de l'obtention de financement, le travail se concentre sur les hautes et moyennes priorités. Le montant calculé est de 40 000 $ des États-Unis avec un coût annuel par la suite de 67 000. Cela ne comprend ni le financement d'ETIS, ni celui de la stratégie de mobilisation qui a été demandée au secrétariat. Les projets de décision pertinents se trouvent à l'annexe 4 du document. Les parties sont également invitées à donner les données utilisées pour l'analyse ETIS.
ainsi que les codes qui sont déjà disponibles. Cela permettrait de rendre le processus plus transparent. À cet égard, j'aimerais encore mentionner le document d'information présenté par le secrétariat au nom de Trafic, qui précise la collecte des données, leur traitement et explique comment les données sont incluses dans ETIS. Et cela se trouve dans le document INF-DOC 40. Les parties sont maintenant invitées à adopter les amendements à la résolution 10-10 REVCOP 17 sur le commerce des spécimens vivants à l'annexe 1 du document. La COP est également invitée à adopter les amendements à la REVCOP 17, REVCOP 18, qui figurent à l'annexe 2 du présent document. En outre, la COP est invitée à accepter l'ordre de priorité des recommandations faites dans le document et à adopter les projets de décision relatifs à la mise en œuvre des recommandations mise en ordre de priorité contenue dans l'annexe 4 du présent document. Et enfin, la COP est invitée à envisager la suppression des décisions 18-18 à 18.20 qui ont été appliquées. Merci. Merci à la Belgique au nom du comité permanent. Je m'adresse aux parties. Avec votre permission, j'inviterai Trafic à intervenir brièvement, très brièvement sur ce point. Je ne vois personne s'y opposer, donc je donne la parole à Trafic. Non ? Désolée. Trafic apprécie les conclusions de l'examen externe qui reconnaît que l'ETIS est basée sur des données et qu'elle elle est objective dans une utilisation des données et que sa performance globale est satisfaisante pour permettre aux parties de fonder leurs décisions. Trafic accepte les recommandations du document 21, sauf en ce qui concerne la date limite pour le dépôt des données qui est fixée ici au 31 octobre. Dans les discussions qui ont précédé ce point, il avait été décidé de maintenir la date limite au 31 mars, car nous craignons qu'un changement de date n'ait une incidence négative sur l'opportunité, la qualité des données. Nous réjouissons de travailler ensemble à la mise en œuvre des recommandations dans leur ordre de priorité. Merci à Trafic. J'offre la parole au parti. Thank you, I say the United Kingdom. Le Royaume-Uni. Merci, madame. Nous apprécions l'examen du programme ETIS. Le Royaume-Uni soutient l'adoption de pratiquement toutes les recommandations, sauf une sur la 10-10 REVCOP 18. Et nous sommes également d'accord sur la catégorie attribuée aux parties sur la base des saisies enregistrées par ETIS. Comme Trafic et d'autres parties l'ont dit aujourd'hui, nous avons des doutes, des réserves quant à la modification de la date limite pour l'envoi des données reportée au 31 octobre. Nous estimons que cela laisse un délai trop important et nous ne sommes donc pas en faveur de la date du 31 octobre qui figure à l'annexe 1 prévue pour le dépôt des rapports. Les
parties doivent faire leur rapport dans les 90 jours de la saisie et au plus tard le 31 mars pour les données de l'année précédente. Merci. Le Japon. Merci. Concernant la date limite pour les rapports, il pourrait être difficile de changer cela, surtout pour les pays en développement, en raison des coûts accrus. Donc, le Japon peut accepter que l'on ne change pas la date limite. Ensuite, nos commentaires sont dans le document 1.56 du Japon. Vous pourrez en prendre connaissance. Ensuite, pour ce qui est des propositions concernant l'efficacité de la gouvernance des données, le Japon estime qu'il doit y avoir une vérification de la transparence et de l'engagement des parties. Par conséquent, le Japon propose que soient révisés les amendements comme suit. Premièrement, dans RESCONF 10-10, REVCOP 18, annexe 1, paragraphe 2, le paragraphe qui commence par « Outre les données sur les saisies, pour améliorer Il s'agirait d'ajouter le secrétariat consultera le sous-groupe Mike Etis du comité permanent pour reviser et mettre à jour et expliquer comment les parties ont accès à ces données subsidiaires et comment les données, dans quelle mesure les données sont rigoureusement scientifiques. Donc, je disais au paragraphe 5 à l'annexe, dernier paragraphe, après la phrase sera mise à disposition de toutes les parties, point, il faudrait ajouter le secrétariat consultera le sous-groupe Mike Etis du comité permanent. Ces méthodes statistiques et répondra aux demandes des parties, y compris sur les paramètres. Point. Ensuite, dans RESCONF 10-10, REVCOP 18, paragraphe 17G, deuxième partie, après accord de non-divulgation approprié, inséré et le respect des obligations avec les obligations en vertu du consentement pour données pour l'utilisation des données, y compris pour les utilisateurs, y compris IQIC, l'utilisation des données et les résultats publiés seront surveillés par le secrétariat et signalés aux parties. Et enfin, concernant le projet de décision, nous proposons la modification suivante. 19AA. Sous réserve d'un financement externe, le secrétariat doit révéler les critères pratiques courants pour la catégorisation du processus PANI, y compris en examinant l'étude de cas dans la perspective d'examiner les critères de validation. Présentera un rapport à la 77e session du comité permanent, point virgule, et constituera un groupe de travail intersessionnel pour définir le mandat pour le développement de nouveaux critères. 19BB, le secrétariat, en consultation avec le groupe consultatif technique de Mike Etis et avec Trafic, devra conformément au mandat de la décision 19AA, développer des projets de critères pour la catégorisation des parties basées sur l'analyse ETIS et les données sur les saisies concernant les spécimens d'éléphants qui ont été envoyés à Trafic, invitera les parties à examiner les critères et en faire commentaire. Et ayant compilé les avis donnés par les parties, présentera un projet de critères à la 78e session du comité permanent.
Alors, je crois que nous n'avons pas pu tout noter, mais nous avons compris l'idée derrière ces propositions. Donc, nous vous reviendrons tout à l'heure pour que vous nous donniez vos textes. Dans l'intervalle, l'Union européenne a la parole. Merci, madame. Nous pensons que tout bon programme peut bénéficier d'un examen au bout d'un certain temps, et nous avons apprécié de voir que la performance globale d'ETIS a été considérée comme étant satisfaisante et que ces analyses ETIS sont effectivement utiles pour les processus CITES et la prise de décision. Nous pouvons soutenir pratiquement toutes les recommandations, y compris les modifications rédactionnelles suggérées par le secrétariat concernant la RESCONF 10-10, REVCOP 18, sauf pour le changement concernant la date limite pour l'envoi des données, comme l'ont dit Trafic et le Royaume-Uni tout à l'heure. Après avoir analysé ces données sur les répercussions de la mise en concordance avec de la date limite entre le rapport ETIS et le rapport sur le commerce illégal, nous sommes convaincus que cela affaiblirait le processus en raison du retard qu'il y aurait entre l'utilisation des données dans l'analyse ETIS et le rapport qui en serait fait à la COP. Et donc, nous sommes opposés à l'ajout à l'annexe 1, deuxième paragraphe. Mais nous soutenons l'idée de renforcer la coopération entre Liquic et ETIS et un partage des données des rapports annuels de commerce illégal avec ETIS dans la mesure où ces données répondent aux exigences minimales de rapport ETIS. Nous saisissons l'occasion également pour recommander davantage de transparence dans le processus en mettant les données utilisées dans l'analyse ETIS à disposition, comme il est dit dans la recommandation 16. En outre, nous invitons toutes les parties à s'assurer d'apporter les ressources financières nécessaires pour permettre à ETIS de continuer son important travail. L'Union européenne et ses États membres donc soutiennent les projets de décision 19AA et 19BB, comme l'a proposé la CITES, le secrétariat, pour ce qui est de l'élaboration des critères sur la catégorisation des parties en fonction des données sur les saisies d'ivoire. Et nous estimons que cela améliorera le processus et le rendra plus transparent. Donc, ce qui concerne la proposition du Japon, présentée dans son document 56 et présentée ici, nous ne pouvons pas les soutenir, ni pour ce qui est des projets de décision ou de modification de la résolution. Ces discussions ont déjà eu lieu et ces ajouts que propose le Japon ne nous paraissent pas nécessaires. Merci à l'Union européenne et merci d'avoir réagi déjà aux amendements proposés par vos collègues. Et la Chine a maintenant la parole. Merci, madame. Tout d'abord, nous remercions le secrétariat pour cet examen du programme ETIS. C'est un travail énorme, bien entendu, et nous trouvons qu'un bon nombre des suggestions d'amendements qui sont faites suite à cet examen sont très utiles. Mais nous avons néanmoins quelques suggestions. Concernant la proposition d'amendement à la RESCONF 10-10, nous estimons que certaines demandes de données débordent du cadre de la CITES. Et ensuite, la question de l'interprétation des données par ETIS. Nous pouvons accepter qu'ETIS analyse les données, mais non pas qu'il interprète celles-ci. Et donc, nous demandons que ces ajouts soient supprimés. Ensuite, nous estimons que c'est le secrétariat et Trafic qui doivent être responsables de la vérification de la véracité plutôt que les parties. Pour ce qui est de la RESCONF 11-17, nous pouvons l'accepter, mais pas
pour ce qui concerne la création d'une base de données sur les stocks d'ivoire, comme il est recommandé à l'annexe 3. Merci. Merci à la Chine, les États-Unis. Merci, Madame. Concernant les amendements à la résolution CONF 10-10, REV COP 18, les États-Unis soutiennent le texte proposé à l'annexe 1 à une exception près. Ces changements apportent les éclaircissements nécessaires à propos de la gestion de l'analyse et de l'utilisation qui est faite des données ETIS. Comme le Royaume-Uni et d'autres, nous ne sommes pas en faveur d'un passage de la date limite du 31 mars au 31 octobre. Et enfin, les données sur les saisies signalées par les parties sont absolument essentielles pour permettre à ETIS de faire des analyses de tendance. En ce qui concerne la résolution CONF 11-17, REV COP 18, nous soutenons la proposition à l'annexe 2. En ce qui concerne les priorités, les États-Unis sont d'accord avec l'ordre de priorité présenté à l'annexe 3 et soutient le projet de décision présenté à l'annexe 4. Qui donne priorité aux recommandations de priorité élevée et moyenne d'abord. En ce qui concerne les critères de classification, nous soutenons les projets de décision présentés par le comité qui demande au secrétariat et au comité d'élaborer des instructions claires pour savoir comment les pays sont mis en catégorie A, B ou C, et cela va de pair avec les recommandations de haute priorité présentées à l'annexe 2. Merci aux États-Unis. Singapour a la parole. Merci, Madame. Singapour remercie le comité permanent pour la préparation de ce rapport et remercie les consultants indépendants pour leur examen du rapport. Ils ont tenu compte des préoccupations évoquées antérieurement par Singapour sur la méthode utilisée par ETIS. Et les analyses par grappe utilisées dans les méthodes restent subjectives et peu claires. On n'a toujours pas justifié si la mise en groupe est basée sur les rapports des années précédentes ou sur des critères statistiques spécifiques. En outre, on nous a donné raison sur l'incertitude liée aux estimations. ETIS doit continuer à améliorer la transparence et améliorer la collecte des données sans accepter une méthodologie qui est assujettie à des variations et qui est subjective. La transparence ne doit pas être entravée par un manque de moyens. Singapour estime que les hypothèses et les limites de celles-ci doivent être communiquées à toutes les parties. Et il faut également partager l'expérience sur l'utilisation d'ETIS en ligne, comme on l'a fait dans le SC74-DOC-12. Les parties peuvent facilement avoir accès et télécharger les données sur le commerce de l'ivoire, mais il n'y a pas possible d'effacer les données qui ne sont invérifiables ou inexactes. Et lorsque Singapour a signalé ces erreurs, ils n'ont pas reçu de réponse ou les pays n'ont pas donné de réponse. Par exemple, pour 2014, il y avait une erreur concernant Singapour. Singapour a continué à contacter le pays concerné et s'est entendu dire que rien ne pouvait être fait parce que les données remontaient à 2014. Mais le secrétariat CITES a informé, Trafic a informé que seul le pays qui a signalé les données peuvent les modifier. Et donc, cela montre que la qualité des données utilisées est parfois douteuse. Donc, Singapour demande qu'il y ait moyen de vérifier la qualité et la véracité des données utilisées par ETIS, car elles ont une influence sur les PANI.
Et donc, comme nous l'avons déjà dit à essai 69, 70 et 71, les analyses doivent prendre en considération les circonstances et le contexte des parties, y compris les mesures en place et ainsi l'inclusion du pays dans le plan d'action national apportera des résultats au-delà des mesures déjà prises. Nous comprenons que les pays n'ont pas toujours des informations à jour sur les saisies et que cela peut avoir une incidence sur la qualité des données. Singapour rejoint l'Union européenne et le Royaume-Uni pour dire que reporter la date de dépôt des informations pourrait avoir un effet négatif sur la qualité et la fiabilité des données. Les parties doivent envoyer les rapports sur leur saisie dans les 90 jours qui suivent celle-ci. C'est le seul moyen d'avoir un système juste, transparent et équitable et de pouvoir faire confiance aux modèles statistiques utilisés. En conclusion, l'objectif de l'examen ETIS est de s'assurer que les analyses ETIS soient comprises, acceptées, puissent être utilisées par les parties pour leur permettre de s'acquitter de leurs engagements au titre de la résolution CONF 10-10, REVCOP 18. Les analyses ETIS doivent être justes, équitables et transparentes et statistiquement solides. Merci. J'ai deux parties qui attendent depuis un certain moment. Déjà, je vous demanderai encore une fois d'être très bref dans vos interventions. Nous avons pris presque une journée entière de retard. Nous espérons faire un peu de rattrapage cet après-midi. Alors, s'il vous plaît, soyez bref. Réagissez si possible à ce qu'ont dit vos collègues. Donc, parole à la Namibie qui sera suivie de la Malaisie. Thank you, Chairperson. We thank this standing. Merci. Nous remercions le comité permanent d'avoir présenté ce document COP19 DOC 21. La Namibie soutient de manière générale les amendements à la résolution CONF10-10 REVCOP 18 contenus à l'annexe 1 du document, y compris les modifications rédactionnelles apportées par le secrétariat, comme l'Union européenne, le Royaume-Uni, Singapour et d'autres. Nous sommes contre la modification de la date limite du 31 mars au 31 octobre, car les informations arriveront trop tardivement pour être utiles au rapport ETIS. Je vois qu'il faut s'en tenir à ce qui est prévu à l'annexe 1 de la résolution CONF-10-10 et dans les notifications annuelles faites par le secrétariat. Les parties doivent envoyer leurs informations donc dans les 90 jours de la saisie et au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Nous craignons que le changement de date proposé ait une incidence négative sur la qualité des données et la bonne gestion de celles-ci. Et or, elles sont essentielles pour les rapports ETIS faits par trafic. Et donc, nous demandons instamment que soit maintenue la date limite au 31 mars. Merci à la Namibie, la Malaisie. Madame, la Malaisie appuie les commentaires faits par le secrétariat dans ce document, ainsi que l'ordre de priorité donné aux recommandations présentées dans l'annexe 3 et les projets de décision contenus à l'annexe 4. Comme le précise l'annexe 3, en même temps que les notifications en ligne et la validation des enregistrements. Chaque fois qu'un enregistrement est fait par une partie, la Malaisie est une des parties qui s'est trouvée dans des situations défavorables pour elle lorsqu'il s'agit de données provenant de sources ouvertes telles que des articles de journaux. Elles doivent être vérifiées. La Malaisie estime que les améliorations au programme ETIS doivent être apportées rapidement pour assurer l'intégrité des données et régler d'autres problèmes que les parties ont déjà signalés lors de réunions antérieures.
pour ce qui est de la, du regroupement des partis, nous avons été, la Malaisie n'entrera pas dans le détail. Singapour, on a déjà parlé longuement, et la Malaisie soutient l'intervention de Singapour. Merci. J'ai encore deux autres parties, très brièvement, s'il vous plaît. L'Indonésie, ensuite Israël. Merci, Madame. L'Indonésie soutient la décision et d'accord pour améliorer les orientations 10.10. Il est important de coordonner avec les partis et les autorités CITES pour la collecte de données, aussi pour éviter des plaintes de la part des partis. Merci, merci à l'Indonésie. Israël. Rapidement, Israël soutient la position exprimée par les États-Unis à propos de la date du 31 mars comme limite pour envoyer les données à ETIS afin que celles-ci puissent être utiles pour les analyses. Merci à Israël. Un ou deux observateurs, très brièvement, s'il vous plaît, parce que je crois que nous dégageons une opinion entre les parties. Donc, WWF, vous avez la parole. L'analyse ETIS est essentielle pour permettre de bien comprendre le commerce illégal de l'ivoire et elle est essentielle pour les prises de décision par les parties. Nous nous félicitons des résultats de l'examen, mais nous souhaitons rebondir sur ce qu'ont dit les États-Unis, l'Union européenne, le Kenya, Trafic et d'autres sur les changements de date, sur les rapports qui pourraient avoir des effets négatifs non prévus sur la qualité des données et de l'analyse. Nous tenons à ce que l'analyse ETIS continue d'être un outil solide et fiable pour la prise de décision ici à la CITES et au-delà. Merci. Okay, thank you everyone, and thank you for that. Bon, merci à vous tous. Merci pour cette discussion. Je crois que globalement, nous avons un avis favorable sur le document. Donc, nous allons reprendre les recommandations une par une pour être sûr de nous être bien compris. Donc, nous sommes généralement d'accord pour adopter les modifications, les amendements à la résolution COP10, REV COP18, commerce et spécimens d'éléphants, son annexe 1, contenu dans l'annexe 1 du présent document, avec les amendements du secrétariat, à l'exception de la partie 4, paragraphe 2. Où il est question du 31 octobre. Les partis souhaitent que l'on garde la date du 31 mars. Donc, comme le 31 mars ne figure pas dans la résolution, il faudrait simplement changer 31 octobre en 31 mars. Est-ce que tout le monde en est d'accord? Je vois que vous opinez. Ensuite, cela, on a aussi soutenu les projets de décision 19AA et 19BB sur l'élaboration des critères. Et là, tout le monde soutenait les recommandations. Recommandation B,
Je crois que nous sommes d'accord pour adopter les amendements à la résolution CONF 11-17, REF COP 18, rapports nationaux contenus à l'annexe 2 du présent document. Ensuite, je crois que nous sommes d'accord pour examiner les recommandations contenues dans l'annexe 3 du présent document. J'ai entendu quelques commentaires à cet effet, mais je crois que nous sommes prêts à recommander également d'adopter les projets de décision relatifs à la mise en œuvre des recommandations mises en ordre de priorité contenues à l'annexe 4. Et je crois que nous sommes aussi tous d'accord pour accepter la suppression des décisions 18.18 à 18.20, lesquelles ont été appliquées. Merci. Okay, moving on to our Poursuivons donc, document suivant, COP 19, document 22, programme Mike et Etis, un document qui a été soumis par le comité permanent. C'est la Belgique qui va le présenter, me semble-t-il, la Belgique. Thank you, Chair. Merci, Madame la Présidente. Le document 22 sur les programmes Mike et Etis a été préparé par le comité permanent. Lors de la 18e session de la COP, les décisions 18.21 et 18.22 sur les programmes Mike et Etis ont été adoptées. Ces décisions ont indiqué au secrétariat qu'il devait mettre au point une proposition sur les moyens possibles pour assurer la pérennité financière et opérationnelle des programmes Mike et Etis à soumettre à examen au comité permanent. Ensuite, le comité permanent devait examiner la proposition et formuler des recommandations à la 19e session de la conférence des parties. Lors de la SC 74, les approches ont été adoptées pour traiter de la question de la durabilité financière et opérationnelle des programmes Mike et Etis, avec le point A, intégration des programmes Mike et Etis dans une stratégie de mobilisation des ressources qui sera élaborée par le secrétariat. Point B, identification des principaux éléments des capacités d'appui et d'analyse à intégrer dans le budget de base du secrétariat. Élément C, élaboration des propositions pour l'appui au programme Mike, pour l'examen par les donateurs, des examens approfondis, des possibilités d'obtenir un soutien provenant d'autres sources de financement, telles que le secteur privé et le financement participatif. Dernier élément, amélioration continue des performances opérationnelles, notamment en améliorant la base de données Mike en ligne et la formation en ligne, et en identifiant et mettant en œuvre des stratégies plus rentables pour atteindre les objectifs Mike. Le comité permanent a également noté que trois projets pluriannuels gérés par le secrétariat prenaient fin en 2023 ou 2024 et que le secrétariat n'avait pas été en mesure d'obtenir des financements pour appuyer la mise en œuvre de Mike en Asie du Sud. Sans financement au cours de l'année prochaine, le secrétariat ne serait pas en mesure de s'acquitter des responsabilités qui lui ont été confiées dans la résolution CONF 10-10 REF COP 18, ce qui aurait un impact direct sur les objectifs du programme Mike énoncé dans la résolution. Le comité permanent encourage les donateurs et les parties à fournir des financements au secrétariat pour appuyer la mise en œuvre de Mike en Afrique et en Asie. La COP est à présent invité à adopter les projets de décision relatifs à la pérennité financière et opérationnelle des programmes Mike et Etis figurant à l'annexe 1 du présent document. Je vous remercie. Thank you, Belgium. Merci à la Belgique au nom du comité permanent. Les parties, la parole est à vous. European Union, you have... L'Union européenne. Merci, Madame la Présidente. Je m'exprime au nom de l'UE et de ses États membres. Nous partageons les préoccupations quant à la pérennité sur le long terme des programmes Mike et Etis. En effet, ces programmes dépendent de financements externes. C'est une préoccupation constante que de voir si on peut trouver des financements adéquats.
Un mécanisme de financement sur le long terme devrait être mis au point. Nous soutenons pleinement l'ensemble des décisions qui permettraient au secrétariat d'étudier les options pour parvenir à un soutien ainsi que les voies d'améliorer le fonctionnement du programme Mike. Nous nous faisons l'écho des appels à toutes les parties et organisations afin de soutenir les États de la zone de répartition des éléphants et fournir des ressources au programme Mike et ETIS. Merci à l'UE. Le Togo, à présent, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Eu égard à tout ce que le programme Mike fait aux États de répartition des éléphants, notamment en matière de renforcement des capacités, des appuis au niveau de la logistique, nous partageons leurs préoccupations. Nous recommandons que le programme Mike soit vraiment soutenu financièrement pour que ce programme puisse mettre en œuvre son programme dans les états de répartition en matière de soutien. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you, Togo. Merci au Togo, les États-Unis d'Amérique à présent. Merci, Madame la Présidente. Les États-Unis soutiennent l'adoption du projet de décision 19A1, projet 19BP, avec l'amendement du secrétariat, et 19CC. Nous prenons note de la recommandation du secrétariat de ne pas adopter la décision 19A, mais nous ne soutenons pas cette suggestion. Nous pensons qu'une décision spécifique A est précieuse. Outre les propositions linguistiques proposées dans le document que l'on trouve à l'annexe 1. Merci. Merci aux États-Unis, la Zambie, puis la Guinée. Thank you, Madame. Merci, Madame la Présidente. Je tiens également à souscrire à ce qui a été indiqué quant au service rendu par les programmes Mike et ETIS. La Zambie a été l'un des États de l'aire de répartition qui a grandement tiré profit de ces programmes. Nous aimerions lancer un appel afin de poursuivre ces programmes. En effet, nous en avons tiré profit. Il y a plus de 4 sites dans notre pays qui sont concernés. Nous ajoutons donc notre voix au soutien des recommandations telles que lues par le secrétariat. Merci. Merci à la Zambie. La Guinée, vous avez la parole. Merci, Madame. Par rapport à Mike, nous pensons qu'avec toutes les interventions effectuées dans notre région, il est souhaitable, il serait louable aussi d'accompagner Mike et nous partageons sa position par rapport aux accompagnements à apporter. Je vous remercie. Thank you, Guinea. So I think... Merci à la Guinée. Il me semble que généralement les partis appuient les recommandations. À présent, est-ce qu'il y a des observateurs qui souhaitent ajouter quelque chose? Est-ce que vous souhaitez participer à nos discussions, les observateurs, sur ce point? I don't see any... Tel ne semble pas être le cas. Voilà, un cas simple pour moi. Thank you, everyone. The Secretariat's just reminded. Merci à tous et à toutes. Voilà. Donc, nous sommes d'accord, je le pense, pour les décisions qui sont indiquées dans l'annexe 1, 19AA, 19BB et 19CC. J'ai entendu les États-Unis qui soutenaient l'amendement 19BBA. Est-ce que le travail soit assujetti à des ressources externes? Je ne vois pas d'opposition. C'est quelque chose à quoi nous sommes habitués. Voilà, donc la conclusion du comité, je le pense, est que nous sommes d'accord. Nous sommes également d'accord. Le secrétariat, en fait, a recommandé que le comité
propose de supprimer les décisions 1821, 1822. Je n'ai pas entendu de commentaires à cet égard. Toujours est-il que je propose que nous pouvons convenir de ce point, étant donné que ces décisions ont déjà été exécutées. Voilà, merci. Mesdames et messieurs les représentants des partis, les observateurs, bienvenue à ce matin. Il était 9h, il y a 7h, mais on va y arriver. So we will take COP19. Voilà, nous sommes à présent saisis du document COP19, doc 48, définition de l'expression destinataire approprié et acceptable. C'est un document qui a été soumis par le comité permanent. Je vais demander à la présidence du comité permanent de bien vouloir présenter ce document, le Canada. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, bonne matinée à tous et à toutes. Ce document COP19, doc 48, a été soumis par le comité permanent. Il a fait réponse aux orientations fournies dans la décision 1852 à 1856 sur la définition de l'expression destinataire appropriée et acceptable. Paragraphe 14, on y trouve la description des actions du secrétariat et du comité pour les animaux pour répondre aux décisions étant à leur adresse. Au cours de la 74e session du comité permanent, le comité permanent a entendu un rapport du comité pour les animaux conformément à la décision à son adresse. Après avoir écouté ce rapport, le comité permanent est convenu d'inviter la conférence des parties A, telle qu'indiqué dans le paragraphe 21, approuver les meilleures orientations et pratiques non contraignantes pour déterminer si le commerce peut promouvoir la conservation telle qu'indiquée dans l'annexe 1 du document en question, d'approuver les orientations non contraignantes pour déterminer si un destinataire d'éléphants ou de rhinocéros peut le recevoir dans des conditions de soins, ce que l'on retrouve dans l'annexe 2. D'adopter le projet de décision que l'on retrouve dans l'annexe 3 du document afin d'indiquer la direction et de la compléter, ce qui avait été indiqué pendant la COP18, ce que l'on n'avait pas pu réaliser d'ici la COP19. Et enfin, de supprimer les décisions 1852 à 1856. Merci à la présidence du comité permanent. Les partis à présent ont la parole. Les États-Unis d'Amérique ont la parole. Merci, Madame la Présidente. Les États-Unis soutiennent généralement les recommandations que l'on trouve dans le document COP19, doc 48. Les États-Unis ont été un membre actif du groupe de travail sur les destinataires appropriés et acceptables. Nous souhaitons l'approbation des orientations et des annexes 1 et 2. Nous prenons bonne note des propositions du secrétariat quant au fait que ces documents soient rendus publics pour les parties sur la page web de la CITES, les destinataires appropriés et acceptables. Par rapport à cela et par rapport à d'autres informations pertinentes, s'agissant du projet de décision, nous soutenons l'intention de la proposition d'amendement du secrétariat
19AA petit a. Néanmoins, étant donné la suggestion du secrétariat selon laquelle la notification au parti doit être publiée plus tard, afin de donner au parti la possibilité d'utiliser ses orientations, et étant donné que le document sont ou seront publiés sur la page web, nous recommandons que la décision 19AA alinéa AA soit simplifié plus avant pour être lu comme suit. Publie une notification au parti sous un an après la clôture de la 19e session de la conférence des partis. Sollicitant des commentaires sur l'expérience de l'utilisation des orientations et autres informations présentes sur la page web de la CITES par rapport aux destinataires appropriés acceptables. Nous nous opposons aux autres amendements du secrétariat 19AAB, 19BB et 19CC. Nous continuons à être convaincus que ces décisions doivent être pilotées par les membres et veiller à ce que le comité prenne un rôle moteur pour l'application. Enfin, les États-Unis soutiennent la suppression des décisions 18-152 à 18-156, car les travaux correspondants ont été accomplis. Merci, Madame la Présidente. Merci aux États-Unis d'Amérique. Le Sénégal, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. La destination, l'expression « destination appropriée » a toujours été un problème pour le Sénégal, parce que nous pensons que les ressources fauniques ou animales doivent être gérées tout en respectant une certaine éthique. Écologiquement, par cette expression, l'homme se permet d'envoyer des animaux dans des milieux écologiques pour lesquels ils ne sont pas originaires. Et il va se poser des problèmes d'accommodation et même de problèmes d'acclimatation. Et nous avons été toujours pas favorables à ce genre de transfert d'animaux, parce que nous pensons que on peut développer, si on prend par exemple l'éléphant, la girafe, les espèces phares, on peut développer leur conservation in situ de façon à développer des activités pour booster nos activités socio-économiques, pour avoir des retombées qui vont nous aider dans la conservation. Excusez-moi, madame, je sais que le temps est petit. J'ai été dans un zoo en Espagne, où j'ai trouvé des éléphants, des girafes, des bibales majors. Mais j'ai eu des larmes aux yeux quand un éléphant est venu se mettre devant moi. Il a baissé la tête, levé la tête, crié, ouvrit ses oreilles. Il a remué la tête. J'ai compris qu'il n'est pas dans de bonnes conditions. Il faisait froid. Il faut des bunkers où on va entrer ces animaux pour chauffer et les maintenir. Or, dans le milieu africain d'où ils viennent, il n'y a pas ces conditions. Il y a des problèmes d'appétabilité. La nourriture qu'on donne, c'est une nourriture de substitution. Ce n'est pas le même tapis herbacé qu'on a en Afrique qu'ailleurs. Je crois que ça pose problème. Il faut faire de la manipulation avec une certaine éthique. Le Sénégal n'a jamais été favorable pour cette expression « destination appropriée » parce que ça nous vide nos ressources et ça ne respecte pas une certaine éthique. Merci. Thank you, Senegal, European Union. Je remercie le Sénégal. Lui, à présent, vous avez la parole. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Au nom de l'UE et de ses États membres qui ont participé activement au groupe de travail interception, ayant mis au point ces deux documents d'orientation, nous aimerions faire part de notre plein soutien au contenu des deux documents en question. Nous pensons qu'il doit faire l'objet d'un bon examen par toutes les parties impliquées dans ce commerce. En conséquence, nous soutenons l'adoption des deux documents non contraignants ainsi que de l'ensemble de projets qui sont présentés à l'annexe 3 de ce document, ce qui permettra aux parties de fournir leur retour d'expérience sur l'utilisation des orientations quant aux soins à apporter à ces espèces lorsque on les accueille. Merci. Merci à l'UE. Le Burkina Faso.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. La question de destination appropriée, de notre point de vue, n'est pas tout à fait claire parce que il n'y a pas de destination appropriée mieux que le milieu même de cette espèce. Et comme le Sénégal vient de l'exprimer, il suffit d'aller dans certains des eaux pour voir la réalité. Et ce n'est pas tout à fait facile que ces animaux soient dans ces conditions. Depuis très longtemps, le Burkina Faso, avec la coalition, le pays de la coalition pour l'éléphant d'Afrique, s'est opposé fortement, farouchement, lors des dernières COP par rapport à cela. Nous pensons que la question de la protection des éléphants et de cette question de transfert des animaux est difficile. Nous nous opposons à cela, mais nous pensons que nous pouvons poursuivre les échanges pour trouver une solution, parce que nous pensons que tel que exprimé, nous ne pouvons pas l'accepter, mais nous serons toujours disposés à discuter pour trouver des solutions par rapport à cette problématique. Je vous remercie. Thank you, Burkina Faso. Je remercie le Burkina Faso. Alors, nous avons plusieurs documents qui parlent des concepts que vous avez évoqués, vous et le Sénégal. Je pense donc que nous allons avoir l'occasion de parler de certains de ces points que vous avez évoqués, en particulier pour les prochains documents que nous allons discuter. J'aimerais entendre pour l'instant le point de vue des parties sur ce document pour savoir si l'on peut adopter les orientations non contraignantes. Et nous avons plusieurs parties qui demandent la parole. Il y a beaucoup de parties qui demandent la parole. Je vais donc clore la liste. J'imagine que l'on peut en fait se concentrer sur ces recommandations pour l'instant. Je vais donc demander des interventions brèves. Je vais mettre en quelque sorte cette durée maximale des interventions, 2 minutes environ. Donc je vais prendre les commentaires des parties qui sont sur ma liste pour l'instant, en particulier pour ce qui est des recommandations que l'on trouve dans le document. Éthiopie, puis Zimbabwe. Éthiopie, c'est à vous. Thank you. Merci, Madame la Présidente. C'est la première fois que nous intervenons. Nous aimerions donc faire montre de notre plus grande gratitude envers le peuple et le gouvernement du Panama qui accueille cette conférence importante. Nous remercions également le secrétariat pour l'excellent travail consenti afin d'organiser la COP. Madame la Présidente, l'Éthiopie soutient fermement les suggestions indiquées par le Sénégal et le Burkina Faso. Merci. Thank you, Ethiopia. Je remercie l'Éthiopie, le Zimbabwe. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Nous soutenons l'adoption des orientations non contraignantes de ces deux documents, car cela permettra de tirer de nouveaux enseignements. Nous tenons également à soutenir l'adoption du projet de recommandation tel que proposé dans le document COP19 de 48. Merci au Zimbabwe. Eswatini, c'est à vous. Eswatini, I think we've lost you. Les Swatini, il me semble que nous avons perdu la connexion avec vous. Merci d'appuyer à nouveau sur le bouton si vous souhaitez prendre la parole, s'il vous plaît. I don't see you, Eswatini. I'll go to Niger. Je ne vois plus les Swatini. Le Niger, donc, vous avez la parole. Les Swatini, si vous voulez prendre la parole par la suite, vous pourrez le faire. Niger, pour l'instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, l'expression « destination appropriée » amène à dérouter l'espèce et à l'amener dans un milieu confiné où il ne peut pas y vivre comme il le veut, dans un environnement très restreint. Madame la Présidente, quelles sont les balises qui sont mises en place par cet État où cette espèce est destinée afin de savoir que cette destination est appropriée? Parce qu'il faut qu'on ait quand même une certaine information sur l'endroit où l'espèce sera pour confirmer que cette destination est appropriée.
Vraiment, il est temps que le secrétariat soit prudent sur ce genre d'expression, parce que parfois, on peut inscrire ce genre d'informations et après vérification, on va sentir que cette destination n'est pas appropriée. Le Niger ne soutient pas l'expression telle indiquée dans le document. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you, and I do. Merci. L'Eswatini. Tentons à nouveau la connexion. Eswatini, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. C'est la première fois que nous intervenons. Nous tenons donc à vous féliciter pour votre accession à la présidence de ce comité. Nous remercions également le gouvernement du Panama pour l'excellente organisation de cette COP. Madame la Présidente, nous tenons à faire part de notre soutien en faveur de ce document et des recommandations quant aux dispositions non contraignantes. Fruit du travail du groupe de travail. Nous le soutenons. Merci. Merci à l'Eswatini. Dernière partie, le Togo. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Et je remercie beaucoup le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger pour les arguments avancés et qui sont tellement clairs. Et le Togo s'aligne parfaitement à leurs préoccupations pour s'opposer à ce document. Je vous remercie. Thank you, Togo. Je remercie le Togo. Il me semble un cas assez simple à résumer également. Il y a une question que j'ai à poser au parti. Est-ce que les observateurs souhaitent intervenir avant que je pose cette question? Est-ce que des observateurs veulent intervenir sur ce document? Je pourrais donner la parole à deux observateurs, le cas échéant. L'Association européenne des eaux et des aquariums, tout d'abord, vous avez la parole. Merci. C'est la première fois que nous nous exprimons. Nous tenons donc à remercier le gouvernement du Panama pour sa chaleureuse bienvenue ainsi que l'excellente organisation de la COP19. Nous vous félicitons également, vous, Madame la Présidente, pour vos capacités de chef de file exemplaire à la tête de ce comité. Ma brève intervention est réalisée au nom de Nyogo Zoo Wildlife Alliance, WASA, WCS et ZSL. Notre organisation soutient les quatre recommandations du document 48 sur la définition du terme destinataire approprié et acceptable. Nous exhortons les parties à adopter les quatre points en question et surtout les deux documents d'orientation non contraignants tels que présentés dans l'annexe 1 et l'annexe 2. Ils représentent des approches contrôlées pour la conservation et les meilleures normes en termes de soins. Nous invitons également les parties à utiliser les actifs des organisations dans ces deux domaines. Merci. Thank you, IASA. Merci. IWI. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je m'exprime au nom de l'Animal Welfare Institute, Wildfree. Eurogroup for Animals, Foundation Franz Weber. Humane Society International, Pro Wildlife, Robin Dubois, and the Species Survival Network. Ella David, Shepherd Association. Nous remercions le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger et le Togo qui ont exprimé leurs préoccupations par rapport à ce document et nous préoccupons ces préoccupations. Nous tenons également à souligner que le groupe de travail qui a mis au point les projets d'orientation tels que présentés par le comité permanent dans le document COP19 de 48 n'est pas parvenu à dégager un consensus. Nous sommes préoccupés par le fait que le projet établi sans fondement réel, que cela peut mener à de la conservation. Il y a également des dispositions spéciales par rapport aux éléphants d'Afrique dans le paragraphe 1 de ce document COP48 qui indique que les exportations des éléphants d'Afrique vers des endroits ex situ
ne mène pas la conservation in situ de l'espèce. Ce même paragraphe indique également que l'UICN, le groupe de spécialistes de l'éléphant d'Afrique de l'UICN et le groupe et le comité pour les animaux doivent être consultés lorsque l'on envisage le transfert vers des lieux ex situ. La commission de survie de l'UICN pour les éléphants d'Afrique pense que leur envoi vers un lieu ex situ n'a pas d'avantage direct pour la conservation in situ. De ce fait, les orientations non contraignantes sur les meilleures pratiques pour déterminer si le commerce ex situ peut mener à la conservation in situ doit exclure spécifiquement les éléphants d'Afrique et l'on doit déterminer si un lieu ex situ est bien doté des éléments nécessaires pour qu'un éléphant d'Afrique soit traité de façon idoine. Merci, Madame la Présidente. Thank you, IWI. Merci, IWI. Je vais donc résumer en adressant une question au parti. Alors, le comité, je dirais, est en accord pour recommander l'adoption des deux orientations non contraignantes pour savoir si le commerce est bénéfique à la conservation in situ. C'est donc l'annexe 1. Et ainsi que les orientations non contraignantes permettant de déterminer si le destinataire proposé d'un spécimen vivant d'éléphant d'Afrique ou de rhinocéros blanc du Sud dispose d'installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin. C'est l'annexe 2. Et ensuite, je crois qu'il y avait un soutien également pour les décisions 19AA, paragraphe A, avec quelques modifications pour le simplifier. Donc, je ne crois pas avoir entendu d'objection. Et certainement, il simplifie le paragraphe et répond à certaines des préoccupations à propos du délai de 90 jours, étant peut-être trop court. Donc, le 19A à l'adresse du secrétariat. Le secrétariat A publie une notification au parti dans le délai d'un an qui suit la clôture de la 19e session de la conférence des parties, sollicitant des commentaires sur l'expérience de l'utilisation des orientations contenues contenues sur la page web CITES intitulée Destinataire approprié et acceptable. Donc, le changement du délai pour la publication de la notification et ensuite un rappel que toutes les orientations voulues se trouvent sur la page web, sur le site web correspondant. Est-ce que tout le monde peut accepter cette modification? Alors, les décisions en elles-mêmes ont été largement soutenues, mais je voulais savoir si vous acceptez cette proposition faite par les États-Unis qui simplifie la lecture du texte. Not seeing any other. Je ne vois aucune objection et donc nous pouvons accepter cette suggestion faite par les États-Unis et nous acceptons les décisions présentées, les projets de décision présentés à l'annexe 3 avec les amendements proposés par le secrétariat au paragraphe A et avec les simplifications proposées par les États-Unis telles que je viens de vous les lire. Et nous recommandons la suppression de la décision 1852 à 1856 puisqu'elles ont été exécutées. Merci à tous.
Okay, well, we'll move on to... Bon, alors nous passons au 66-4. Commerce d'éléphants d'Afrique vivant. 66-4-1. Commerce international des spécimens vivants d'éléphants d'Afrique. Projet de révision de la résolution CONF-10-10, REVCOP-18, sur le commerce de spécimens d'éléphants. Et ensuite, nous avons le document 66-4-2 qui précise le cadre proposition de l'Union européenne. Je propose que nous les examinions en parallèle. Donc, j'invite les auteurs du document 66-44-1 à nous présenter d'abord leur document et ensuite j'inviterai l'Union européenne à en faire autant. OK, I see Burkina Faso. Le Burkina Faso, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le Burkina Faso a soumis le document 66-4.1 aux côtés de plusieurs membres de la coalition pour l'éléphant d'Afrique qui regroupe un bon nombre de pays africains. Et ce document est une suite logique des dernières réunions de la conférence des parties et du comité permanent et propose une solution unique et claire pour réglementer le commerce d'éléphants vivants au sein de la CITES. Lors de la dernière COP en 2019, les parties de la CITES avaient clairement exprimé leur volonté de limiter les importations d'éléphants vivants au seul lieu de conservation in situ, c'est-à-dire à des programmes de conservation dans l'aire de répartition naturelle ou historique de l'espèce. En effet, d'après le groupe de spécialistes de l'UICN sur l'éléphant d'Afrique, l'envoi d'éléphants vers des zoos ou d'autres institutions hors du continent n'a strictement aucun effet positif sur leur conservation in situ. Bien souvent, les méthodes de capture, puis les conditions de vie au lieu de détention des éléphants sont extrêmement néfastes pour le bien-être de ces animaux et la pérennité des populations sauvages. Ceci est vrai pour tous les éléphants d'Afrique, quel que soit le pays où ils sont capturés. Malgré la volonté clairement exprimée des parties de la COP 18, la réglementation actuelle laisse planer un flou juridique utilisé par certains parties pour continuer à exporter des éléphants hors du continent au détriment du bien-être des éléphants et des populations sauvages. Il y a eu des récentes importations en 2019, pardon, du Zimbabwe et en 2022 de la Namibie qui ont suscité des réactions des parties à la CITES, notamment lors de la réunion du comité permanent SC 74 de cette année, ainsi que la société civile. Notre proposition, la proposition de la Coalition pour l'éléphant d'Afrique, offre une solution, nous le pensons très claire, à cette situation et ne fait que confirmer la volonté exprimée par les parties à la COP 18. Nous proposons également une réglementation unique et extrêmement simple, vraiment simple, qui peut être mise en œuvre immédiatement et mettre un terme à ce débat une fois pour toutes, parce que depuis plusieurs années, la question des éléphants est débattue vainement et l'impression que nous avons est que certaines parties ne sont pas bien écoutées. En ajoutant un paragraphe à la résolution COP 18, nous pouvons limiter les importations d'éléphants vivants au seul lieu de conservation in situ, c'est-à-dire en Afrique. Madame la Présidente, chers tous, les éléphants d'Afrique n'ont rien à faire, en captivité encore moins, dans des zoos de l'autre bout du monde. La proposition 66.42 veut retarder une décision sur ce projet
sur ce sujet jusqu'à la COP 2000, jusqu'à la COP 20 au moins, et suggère un processus d'intercession peu transparent et peu clair. Entre-temps, les exportations des éléphants vont continuer au détriment, bien sûr, du bien-être de ces derniers. Nous sommes tous réunis ici, je pense, maintenant, et notre souhait, donc, est de résoudre ce problème ici et ne pas encore retarder cela. Cela est d'autant plus vrai que l'accord entre tous les pays africains souhaité par l'Union européenne, y compris avec ceux qui souhaitent continuer à exporter les éléphants vers des eaux à l'autre bout du monde, n'est pas réaliste. Nous souhaitons résoudre ce problème ici une bonne fois pour toutes. Nous vous demandons donc de soutenir notre proposition et de rejeter certaines propositions qui ne font que repousser le problème à plus tard. Nous parlons d'une des propositions faites par l'Union européenne. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you, Burkina Faso. Merci, Burkina Faso. J'invite l'Union européenne à présenter le document 6642. Merci, Madame. Je m'exprime au nom de l'Union européenne et de ses États membres. Comme nous l'avons déjà dit à l'occasion du comité permanent à Lyon, nous sommes prêts à travailler avec les États de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique pour avoir un cadre juridique cohérent pour le commerce de spécimens vivants d'éléphants. Il est clair que nos interprétations diffèrent et que nous risquons de nous perdre dans des dédales juridiques. Et nous proposons donc une voie à suivre prenant en compte les avis des uns et des autres. Le commerce d'éléphants vivants peut se faire à des fins commerciales ou non selon l'annexe dans laquelle la population est inscrite. Mais surtout, il doit avoir lieu de manière transparente et avec des avantages pour la conservation. Pour arriver à un cadre aussi clair, il faudra modifier les résolutions pertinentes ainsi que les annotations concernant l'éléphant. C'est la raison pour laquelle nous avons inclus nos réflexions sur la question des réserves aux annotations dans ce document, même s'il est évident que cela dépasse largement la discussion sur les éléphants. Nous ne reviendrons donc pas à nos arguments dans cette discussion et nous sommes convaincus que la résolution sera trouvée à cette COP comme il est nécessaire pour avancer sur ce domaine des éléphants. Dans notre document, nous avons proposé plusieurs possibilités. Tout d'abord, et avant tout, il nous paraît très utile d'avoir un chapitre consacré au commerce de spécimens vivants d'éléphants d'Afrique dans la résolution 10-10. Ceci en se basant sur les conditions existantes figurant dans la résolution CONF 11-20 REV COP 18 et doit également renvoyer aux orientations non contraignantes mentionnées dans le document précédent. Nous avons fait des suggestions de texte au paragraphe 17 de ce document. Une action similaire pourrait être envisagée plus tard pour le rhinocéros blanc qui pourrait ensuite amener à la suppression de la résolution CONF 11-20. En même temps, il faudrait apporter les changements nécessaires à l'annotation 2 appliquée aux éléphants d'Afrique. Elle ne devrait plus mentionner les résolutions. Compte tenu de la complexité de la nature délicate de la discussion, nous proposons de convoquer une réunion de dialogue CITES conformément à la résolution CONF 14.5 pour permettre à tous les États de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique d'examiner ces options dans l'espoir qu'une position commune puisse être dégagée, car nous sommes convaincus que tous les États de l'aire de répartition ont le même objectif qui est de gérer ce qui reste des populations d'éléphants de manière cohérente avec les objectifs de la CITES. Et nous espérons vraiment que nos suggestions auront une chance d'être entendues
et nous demandons à chacun de travailler de concert pour que nous puissions enfin tourner la page. Le compromis trouvé à la COP18 n'est pas reconnu dans la proposition qui nous est faite par les États de l'heure de répartition. Cela voudrait dire également que le commerce d'éléphants qui ont été prélevés en milieu sauvage par le passé ne pourrait que retourner vers in situ, ce qui ne serait pas nécessairement dans le meilleur intérêt de beaucoup de ces animaux vivant en captivité. Troisièmement, les auteurs ne suggèrent aucun changement à la résolution 1120 REVCOP18 sur les destinataires appropriés et acceptables où sont définies actuellement les conditions de ce commerce. Si cette proposition a été adoptée, elle introduirait des éléments contradictoires et conflictuels dans les deux résolutions sans régler les problèmes d'interprétation juridique sur les annotations appliquées aux éléphants. Encore une fois, donc, nous demandons à tous les États africains de l'aire de répartition de l'éléphant africain d'envisager de travailler ensemble à la résolution de ce problème, comme nous l'avons suggéré dans notre proposition. Merci. Merci à l'Union européenne. Nous avons donc deux documents. Les documents 6681, présentés par le Burkina Faso, lequel recommande que les parties envisagent de modifier la résolution COP16 REVCOP18, comme ils l'ont présenté dans l'annexe 1 de leur document. Le document 6642 de l'Union européenne invite à prendre note du document et présente un projet à l'annexe 1, un projet de décision soumis à l'examen des parties. Il est 16h15. Nous allons probablement consacrer le reste de l'après-midi à ces questions. Donc, le Bénin a la parole. Merci, Madame la Présidente. Le Bénin voudrait donc soutenir les propositions qui ont été faites par le Burkina Faso en soutenant les recommandations figurant au niveau du document 6641 et voudrait donc s'opposer aux propositions qui ont été formulées par l'Union européenne au niveau du document 6642. Et en effet, entre 2010 et 2022, nous avons beaucoup d'éléphants qui ont été exportés, notamment du Zimbabwe, de la Namibie, de l'Eswatini, de la Tanzanie. Et ces exportations sont toujours sujettes parfois à des controverses et engendrent de vives réactions donc, de la part des parties de la CITES et de la société civile. C'est d'autant plus que plusieurs de ces éléphants auraient connu donc, des tristes sorts durant le transport ou à leur destination finale. Donc c'est pour toutes ces raisons et conscient du fait que, comme l'a évoqué le Sénégal, il est important que ces animaux restent dans leur environnement et qu'on ne peut pas apprécier à sa juste valeur le bénéfice sur la conservation in situ, que le Bénin donc soutient le document proposé par le Burkina Faso et s'oppose aux recommandations de l'Union européenne. Merci beaucoup. Thank you, Benin. Merci, Benin. Le Kenya. Merci, Madame. Madame, le document 66.4.1 apporte exactement ce que la COP avait adopté à sa dernière session, ainsi que le comité permanent à sa 74e session. La décision, le cadre juridique était clair, uniforme, et s'appliquait aux exportations de spécimens vivants d'éléphants pris en milieu sauvage. Le message
qui nous est proposé ici permettrait de traiter tous les éléphants d'Afrique de la même manière, qu'ils soient inscrits à l'annexe 1 ou 2, car une fois l'animal capturé et envoyé en captivité, l'impact sur les conditions biologiques n'a plus de rapport avec l'annexe à laquelle l'animal est inscrit. Madame la Présidente, la solution, c'est de faire en sorte que les éléphants d'Afrique ne soient pas prélevés, extraits de leur groupe familial, pour être ensuite transportés vers des lieux de captivité et pour y terminer leur vie dans des conditions qui ne sont pas adaptées à leur espèce. La proposition 66.4.1 est dans le fil de recommandations du groupe de spécialistes de l'éléphant africain de la Commission de survie des espèces de l'UICN. Et nous recommandons donc à la COP d'adopter le document présenté que vient de nous présenter le Burkina Faso. Madame la Présidente, si il y a une invitation au dialogue, assurons-nous que ce dialogue porte avant tout sur les difficultés de la conservation et de la gestion des populations de l'éléphant d'Afrique et pas seulement son aspect de commerce de spécimens vivants. Merci, Kenya. Le Zimbabwe a la parole. Madame la Présidente, le Zimbabwe est préoccupé de voir que des parties qui n'ont aucune expérience pratique de la conservation de l'éléphant soient parfois les plus vives à s'exprimer sur ces questions. Mais nous prenons note des commentaires faits par le secrétariat. Madame la Présidente, nous sommes absolument contre les propositions du 66.4.2. Nous apprécions la suggestion de l'Union européenne visant à créer un cadre commun qui permettrait dialogue et consultation. Tandis que nous cherchons une solution à long terme. En outre, le document présente plusieurs options qui nous paraissent réalisables et donc méritent d'être examinées. Nous recommandons l'adoption des projets de décision à l'annexe 1 du document. Thank you, Zimbabwe. Mali, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voulais, si vous le permettez, avancer une idée qui, pour laquelle, naturellement, il est prouvé que chaque individu a un lieu de naissance où il doit grandir, devenir quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes les êtres supérieurs. Nous avons l'avantage d'avoir un acte de naissance qui, dès lors que nous sommes nés, s'est donné à nos parents, qui doivent nous éduquer pour nous amener peut-être un jour à l'école, devenir quelqu'un comme nous sommes aujourd'hui dans cette salle. Madame la Présidente, ces éléphants dont il est question ici, depuis la création de la CITES jusqu'ici, bientôt 50 ans, ce sont les mêmes ressources qui souffrent, qui sont dans l'agonie. Et nous, les hommes, nous croyons plus supérieurs à eux. Il est temps, Madame la Présidente, plusieurs secrétaires généraux ont passé,
et les mêmes états de l'aide de répartition ont toujours montré tout ce qu'il y a comme difficulté actuelle au niveau de leur état par rapport à la conservation de ces animaux. Nos communautés souffrent. Elles n'ont pas accès aux bénéfices qui sont les retombées de ces animaux à cause du fait pourquoi c'est justement leur destination finale qui constitue une prison pour eux, soit au niveau d'une cirque, soit au niveau d'un zoo, ou peut-être au niveau de certains individus qui les mettent dans les ranches. La proposition qui vient d'être faite, elle est une documentation très solide, importante, qui du reste a été montée avec la faveur des 32 états de l'aire de répartition de l'éléphant qui sont au niveau d'une coalition qui se bat depuis 2008 pour asseoir une bonne politique de gestion et lutter contre justement ce commerce dont il est question. Aujourd'hui, la proposition qui a été présentée par nos frères du Bénin, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Éthiopie, Libéria, Niger, Sénégal et Togo, c'est le fruit, c'est un produit commun. Alors, cette proposition, Madame la Présidente, apporte aux partis un cadre véridique, juridique, commun, clair et sans équivoque pour toutes les populations d'éléphants d'Afrique inscrites aux annexes 1 et 2. En limitant, bien sûr, ce que nous pensons être les issues potables pour ces éléphants. Il s'agit du commerce des éléphants d'Afrique sauvage aux zones de conservation sécurisées en Afrique. Madame la Présidente, aujourd'hui, nous n'avons pas droit à aller enlever des kangourous en Australie pour les amener sur le désert malien ou dans le Sahel malien. Les alligators, ils sont déposés là-bas, on ne peut pas les amener dans nos plans d'eau, dans les cours d'eau maliens. Encore moins, le grand varan de Komodo qui est là-bas, parce qu'on nous a toujours dit qu'ils sont bien dans leur milieu, dans leur biotope naturel. Les éléphants aussi, ils en ont besoin. C'est vous demander d'avoir la sensibilité, cette sagesse de voir la finalité de ces animaux. Un jour, même nos arrière-arrière-petits-enfants ne sauront plus qu'est-ce que ça veut dire un éléphant. Moi, je suis dans la CICES depuis 1994. Chaque session, je suis là. Et c'est le même message qui passe. Il est temps que le secrétariat trouve une occasion maintenant de dire on arrête l'hémorragie. Laissons les éléphants dans leur écosystème, qu'ils vivent avec les communautés pour lesquelles ils vivent encore. Voilà encore pour vous dire, Madame la Présidente, je renvoie une reconnaissance à tous les partenaires, à tous les États qui ont cette sensibilité de protéger les éléphants, d'être avec nous. Et comme vous l'avez dit, la CITES, c'est le consensus, c'est le dialogue. On a toujours prôné chaque fois, mais en finalité, c'est quoi? Le Kenya en a développé, le Sénégal en a développé, et le Burkina Faso, la même chose. Donc, en vous remerciant, je pense que vous allez avoir cette sagesse, cette sensibilité d'épouser et d'accepter notre proposition. Je vous remercie. Thank you, Mali. Merci au Mali. Le Botswana a la parole. Merci, Madame la Présidente. Le Botswana ne peut pas accepter les modifications à la rêve 10-10, rêve COP 18 que proposent les auteurs du document 66-4-1. Le Botswana, encore une fois, exprime sa préoccupation sur la manière dont l'annotation 2, qui renvoie au commerce des spécimens vivants, a été modifiée à la COP 18. Se reprend l'orateur. Les amendements aux inscriptions doivent être guidés par l'article 15 de la Convention. Madame, nous sommes prêtes à travailler avec les parties pour résoudre les difficultés
auxquelles ont donné lieu ces décisions de la COP18. Il serait vraiment regrettable que cet amendement soit accepté, car il serait encore plus difficile d'avoir alors un régime clair et transparent pour le commerce d'éléphants vivants. Le Botswana serait dans ce cas obligé d'exprimer une réserve à la décision présentée dans le 66-81. Le Botswana estime que la proposition faite par l'Union européenne dans le 66-42 donne une issue à cette question. Merci au Botswana. Je donne la parole au Niger. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, une espèce animale ne peut être à l'aise que dans son milieu naturel. L'éléphant dont nous parlons ici sentirait plus à l'aise chez lui en Afrique, en harmonie avec son écosystème. Madame la Présidente, le Niger soutient la proposition du Burkina pour le document 66.41 et les déclarations faites par le Bénin, le Kenya et le Mali. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you, Niger. Namibia. Merci au Niger. La Namibie, vous avez la parole. Technicians, can you give Namibia? Mesdames et messieurs les techniciens, pourriez-vous donner la parole à la Namibie, s'il vous plaît? Merci. Thank you, Chairperson. Merci, Madame la Présidente. La Namibie salue ces deux documents et les discussions. Nous tenons à remercier les auteurs qui ont préparé ces documents. Nous soutenons les efforts des auteurs afin de préciser les conditions pour un cadre légal pour le commerce légal des éléphants d'Afrique, tant que l'on respecte les dispositions du texte de la Convention. Madame la Présidente, on trouve dans le document COP19 66.4.1 sur la Namibie, il y a des informations qui sont incorrectes, trompeuses. À ce point, permettez-nous respectueusement d'informer des membres que nous n'avons jamais violé le texte de la Convention dans aucune transaction commerciale que ce soit. Nous n'avons aucune intention de le faire à l'avenir. Certes, nous avons exporté des éléphants vivants hors de leur zone de répartition, mais en respectant les dispositions de la Convention. Nous n'avons donc jamais violé le texte de la Convention. Nous avons été tout à fait transparents dans nos affaires et nous allons continuer à l'être. Nous sommes disposés à dialoguer. Ceci étant dit, Madame la Présidente, nous sommes fermement convaincus qu'il est important de trouver un terrain d'entente et de dégager un consensus. Toujours est-il que nous ne pensons pas que les amendements proposés aux résolutions que l'on trouve dans l'annexe 1 du document 66.4.1 peuvent nous aider à aller dans ce sens. En conséquence, nous ne soutenons pas ces amendements proposés. Nous pensons que la voie à suivre proposée que l'on trouve dans le document 66.4.2 nous permettra de tirer les fruits que nous souhaitons atteindre. Nous soutenons donc l'adoption de la décision contenue dans le document 66.4.2. Je vous remercie. Merci à la Namibie, Royaume-Uni, puis les États-Unis, puis les Émirats arabes unis. Royaume-Uni, tout d'abord, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Le Royaume-Uni soutient fermement la nécessité d'un cadre clair pour le commerce des spécimens d'éléphants vivants, par rapport à ce que l'on trouve dans les documents 66.4.1, 66.4.2, afin d'atteindre cet objectif. Pour le 66.4.1, nous tenons à remercier les auteurs pour leur proposition, qui selon nous fait partie de la solution. Néanmoins, nous prenons note des discussions qui ont été tenues lors de la dernière COP par rapport aux situations d'urgence. S'agissant du document 66.4.2, nous
Nous saluons l'analyse approfondie qui nous permet d'avancer dans nos discussions. Le Royaume-Uni reste convaincu que le commerce des éléphants d'Afrique vivants doit être réalisé en respectant l'aire de répartition naturelle de ces animaux et à des fins de conservation, à part dans certaines exceptions bien spécifiques. Cependant, nous reconnaissons qu'il s'agit là d'une question complexe, source de clivage. Nous souhaitons donc trouver une solution à laquelle puissent souscrire les États de l'aire de répartition pour maintenir la conservation des éléphants et des populations qui vivent à leur côté. Nous pensons donc que cette discussion a besoin d'être approfondie. En y en ayant associé à l'esprit, nous soutenons les commentaires du Burkina Faso et nous souhaitons traiter cette question de toute urgence. En conséquence, notre préférence serait d'utiliser au mieux le temps que nous avons ici à Panama afin de réaliser des progrès sur ces questions importantes. Cependant, nous reconnaissons également qu'il faudra peut-être un processus en session tel que recommandé par l'UE et ses États. Merci. Merci au Royaume-Uni. Les États-Unis d'Amérique, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Les États-Unis remercient les États membres qui ont proposé la 6641 ainsi que la proposition 6642. Pour le commerce d'éléphants d'Afrique vivants et pour la précision du cadre. Nous nous réjouissons de l'approfondissement du dialogue. Il faut tenir compte de l'urgence de la situation, en particulier pour ce qui est du document 6641. Les États-Unis ne soutiennent pas l'adoption de l'amendement à la résolution CONF 10.10. Selon nous, il serait prématuré d'adopter ces amendements sans avoir des discussions plus approfondies. Par exemple, le texte tel que proposé ne fournit pas d'exception pour les situations d'urgence ou les circonstances exceptionnelles pour qu'il y ait une conservation in situ. S'agissant du document 6642, généralement, nous soutenons le paragraphe C du projet de décision 19AA. En effet, nous pensons qu'un examen plus approfondi des conditions du commerce des éléphants d'Afrique vivants sont nécessaires. S'agissant des paragraphes A et B du projet de décision, nous pensons que ces questions sont déjà traitées dans les discussions au titre du document 88. En outre, outre le développement d'un cadre commun pour le commerce des éléphants vivants, nous soutenons un dialogue supplémentaire, y compris avec un examen de la possibilité de faire passer des sections pertinentes de la résolution CONF 20 vers un chapitre spécifique sur le commerce des éléphants d'Afrique vivants dans la résolution CONF 10. Nous avons quelques préoccupations par rapport au texte proposé dans le document de ZO. 19 accepte. Les États-Unis ont publié une notice aujourd'hui par rapport aux nouvelles prescriptions pour le commerce des éléphants vivants avec des mesures nationales plus strictes pour le traitement des espèces en danger. Nous nous réjouissons d'avance d'avoir les commentaires des États de l'aire de répartition et autres acteurs. Merci. Merci aux États-Unis d'Amérique. Les Émirats arabes unis, à présent, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. S'agissant du document 6641, les Émirats arabes unis tiennent à rappeler leur position de longue date, à savoir qu'il faut travailler proactivement pour promouvoir une culture, un plan national et international de promotion de la biodiversité, la durabilité. Voilà l'une de nos priorités stratégiques. Les Émirats arabes unis ont un engagement, celui de protéger les espèces et leurs habitats. Ce que l'on retrouve dans notre stratégie nationale et nos programmes d'aide internationaux. Nous avons soutenu et continuons à soutenir les recherches scientifiques ainsi que les efforts au niveau mondial pour garantir que les espèces sauvages aux quatre coins de la planète soient gérées de façon durable. L'un des nombreux programmes qui existent, je vais vous en fournir un exemple. L'introduction d'un ami qui avait disparu dans le monde sauvage. Nous avons consenti d'énormes ressources et désormais, cet animal vit à nouveau dans son habitat naturel, alors que ce n'était plus le cas. S'agissant
des cas particuliers mis en exergue dans ce document, les Émirats Unis, le secrétariat et la Namibie ont précisé que cette opération était légale et dans le cadre du mandat de la Convention, ainsi que des normes internationales pertinentes. Nous avons veillé à ce qu'il y ait le plus haut niveau de soins. Nous avons établi également un dispositif pour les animaux importés. Conformément au rapport que nous avons reçu de la part de l'autorité scientifique namibienne, les éléphants qui ont été exportés vers les Émirats arabes unis ont été capturés depuis des zones d'élevage et ont été bien traités. Une fois que les éléphants sont arrivés aux Émirats arabes unis, des équipes vétérinaires spécifiques se sont occupées d'eux. Nous avons veillé à leur sécurité et leur arrivée jusqu'aux installations ont été faites dans le respect des plus hautes normes de sécurité et du bien-être également et des animaux et des populations. Ces animaux continuent à recevoir les meilleurs soins possibles. Ces éléphants ont été gardés dans des installations bien établies en respectant les normes et en veillant à la sécurité, la santé des animaux et ce grâce à des équipes spécifiques avec des efforts de conservation pour les espèces en voie de disparition. Et nous avons également sensibilisé la population à la nécessité de protéger. Les importations de ces éléphants n'ont entraîné aucune violation de la convention CITES. Nous avons obtenu les permis nécessaires de la CITES conformément à l'article 3. Mesures supplémentaires, nous avons contacter l'équipe scientifique de la CITES pour nous assurer que les mesures idoines étaient adoptées avant l'émission de tout certificat CITES. Les certificats ont été émis conformément aux recommandations reçues de la part du secrétariat. En conséquence, nous redemandons fermement que les données et les informations soient bien vérifiées et qu'elles découlent de sources fiables par rapport à cette question et d'autres questions possibles. Merci, Madame la Présidente. Merci aux Émirats arabes unis. Je clôt la liste des orateurs prenant des partis. Pour aujourd'hui, il nous reste tout juste 20 minutes. Je ne vais pas vous dire qui est sur la liste. Je vais devoir donner la parole aux délégations une par une. Si vous pouvez vous limiter à quelques minutes pour vos interventions, ce sera plus utile. C'est clair que nous n'en aurons pas terminé avec nos discussions. Nous allons devoir continuer sur ce sujet. Je vais donc donner la parole aux partis une par une. Je voulais indiquer. Merci de limiter votre temps de parole pour que le plus possible d'intervenants puissent intervenir. La Guinée, c'est à vous, s'il vous plaît. Merci, madame. Je crois que l'essentiel a été dit par nos prédécesseurs. Je vous remercie déjà. La position de la Guinée est très claire. Nous soutenons fermement la proposition du Burkina Faso. Et nous sommes très heureux de nous joindre au grand nombre de gouvernements qui soutiennent également cette proposition. Et, Madame la Présidente, nous voterons oui et nous encouragerons les autres à faire de même. Et pour terminer, je dirais que pour tout bon conservateur, la notion de base, le milieu est le facteur le plus déterminant. Donc, je crois que les espèces, on dit généralement tel habitat, telle espèce. Donc, nous devons aller dans ce concept avec cette façon d'appréhender les choses. Je crois que les éléphants d'Afrique sont mieux en Afrique qu'ailleurs. Je vous remercie. Thank you, Guinea. Je remercie la Guinée. La République de Tanzanie à présent, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente, de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer sur ce sujet. La Tanzanie tient à saluer les efforts consentis par l'UE pour l'établissement du document 66.4.2 pour établir un cadre commun. Selon nous, celui-ci sera utile. Il permettra de veiller à ce que le commerce des éléphants d'Afrique vivante soit réalisé conformément aux conventions existantes. La Tanzanie s'oppose à la proposition du groupe de la coalition des éléphants d'Afrique pour l'amendement de la résolution 10, car il nous semble prématuré actuellement d'amender la dite résolution.
Étant donné les différences d'idéologie de conservation qui sont ressorties de nos débats aujourd'hui. En conséquence, la Tanzanie se réjouit d'avance de pouvoir participer à un groupe de travail intercession si il en était décidé ainsi de votre part, Madame la Présidente. Merci à la Tanzanie. Le Sénégal, à présent, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Jusqu'ici, vous avez dirigé correctement nos travaux, mais peut-être quelque chose vous a échappé et je voudrais, en tant que parti, attirer votre attention. L'auteur des propos tenus que je trouve maladroits, il s'agit de l'intervention du Zimbabwe. Parce qu'il ne faut pas prétendre dire que nous n'allons pas laisser à des partis qui n'ont aucune expérience décider des échanges des éléphants. Ce n'est pas correct. Il n'est pas l'alpha, alpha, l'oméga déposité de la science et pour prétendre tenir de tels propos. Et je voudrais que vous veilliez à la bonne utilisation des expressions pour éviter des expressions chargées, péjoratives, à connotation négative. Chaque parti ici est souverain pour dire son point de vue. Il n'a pas à nous traiter de parti sans expérience. Ceci dit, mais mes propos s'arrêtent à l'auteur. Je ne vais pas traiter le Zimbabwe de cette façon. C'est l'auteur qui est responsable de ses auteurs. Parce que nous sommes ici des représentants plénipotentiaires de nos pays. Et il faut avoir un langage diplomatique. Ceci dit, le Sénégal est co-auteur de la proposition qui a été présentée par le Burkina Faso. Et je le défends encore. Le collègue de Guinée l'a dit. Nous sommes des adeptes d'écologie. Ce n'est pas pour rien l'éléphant d'Afrique n'est pas en Europe. Il est en Afrique. Développons des stratégies qui vont booster son développement en Afrique. Donc, dire que 66.42, ça aussi c'est une stratégie que l'Union européenne développe pour avoir les espèces d'Afrique. C'est ça le débat. Mais quant à dire que vous n'avez aucune expérience sur la matière, je regrette, ce n'est pas correct. Merci. Thank you, Senator. Je remercie le Sénégal. Le Japon, la parole est à vous. Thank you, Madame. Merci, Madame la Présidente. Le Japon salue les efforts des auteurs de ces deux documents par rapport au cadre du commerce des éléphants d'Afrique. C'est une question complexe. On entend des divergences entre les États par rapport donc au commerce des éléphants d'Afrique vivants notamment. À cet égard, nous avons lu les commentaires du secrétariat sur le document 66.4.2. Nous soutenons le processus de poursuite des discussions telles que proposées dans ce document. Plutôt que d'avoir l'amendement de la résolution conf 10-10 tel qu'indiqué dans le document 66.4.1. En outre, pour le document 66.4.1, nous pensons qu'il est nécessaire de tenir compte des opinions des états de l'art de répétition plutôt qu'uniquement des auteurs pour la gestion des ressources zoologiques. En outre, lorsqu'il n'y a pas de consensus entre les États membres, nous ne soutenons pas, étant donné qu'il n'y a pas de consensus dégagé, nous ne soutenons pas cette décision. S'agissant d'une 19AAC dans le document 66.4.2, nous pensons que c'est une question qui doit être traitée d'une façon satisfaisante pour les États de l'aire de répartition par rapport à ce qui est dans l'annexe 2 et en particulier pour ceux qui ont exprimé des réserves. Le Japon rappelle également sa position ferme. Les discussions doivent se baser sur les meilleures données scientifiques disponibles et pas des postulats. Merci. Merci au Japon. 4 orateurs supplémentaires. En 10 minutes. Nous sommes donc à l'heure. Le Togo, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Lors de la COP18, la Commission européenne a exprimé publiquement son opposition aux exportations d'éléphants d'Afrique vivants capturés dans la nature vers des lieux de captivité ex situ. Et les pays de la coalition pour l'éléphant d'Afrique avaient salué cette courageuse position. Aujourd'hui, pourtant, l'Union européenne fait marche arrière avec le document 66.4.2
Et ce document va totalement à l'encontre de la solution simple et unifiée proposée par plusieurs pays de l'aide de répartition de l'éléphant d'Afrique dans le document 66.4.1. Le délai supplémentaire proposé par l'Union européenne pour résoudre le flou juridique actuel, renvoyant toute décision à la COP20 en 2025 au moins, représente un risque significatif pour nos éléphants. Il pourrait avoir pour effet la capture dans l'intervalle de dizaines d'éléphants dans la nature, puis leur envoi vers des zoos à l'autre bout du monde. Alors même que l'Union européenne s'était dite opposée à ce type de transaction en raison de leur effet néfaste sur les individus capturés et les populations sauvages. Nous pouvons régler cette question aujourd'hui en adoptant le document 66.4.1. Et l'Union européenne, qui n'a aucun éléphant, ne doit pas expliquer à l'Afrique comment régler cette question et ne doit pas retarder le processus de décision au sein de la CITES. Le document 66.4.2 doit donc être rejeté. Nous relevons finalement que la question des réserves est déjà traitée de manière séparée dans le cadre de l'examen du document 88. Cette partie du document présentée par l'Union européenne n'est donc plus pertinente. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you, Togo. Je remercie le Togo. Eswatini, à présent, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, la question des exportations des éléphants, telle que mentionnée par Eswatini, ce transfert a eu lieu de façon tout à fait licite. Tous les documents nécessaires ont été publiés et la procédure a été respectée. Les installations vers lesquelles les animaux ont été envoyés ont fait l'objet d'une évaluation idoine. Et nous avons bien vérifié que ces installations étaient adaptées. Il convient également de rappeler une chose. Les avantages de conservation substantiels ont découlé de ces transferts pour les éléphants dans les Eswatini, pour les éléphants donc et pour d'autres espèces, y compris les rhinocéros noirs en danger et les éléphants blancs en danger. Les rhinocéros blancs en danger, pardon. Pendant la pandémie de Covid-19, alors même que nos recettes qui sont liées à hauteur de 89% au tourisme, ont connu une très forte chute pendant 2 années. Il s'agit d'un projet qui a été très utile sur le long terme et pour le soutien de nos travaux de conservation. Penchons-nous donc sur ces deux documents. Selon moi, le document 66.4.1 cherche à établir des raccourcis dans les dialogues, en fait, voire à éviter certaines discussions, à contourner les discussions. Et nous avons le sentiment donc que le 66.4.1 ne devrait pas faire l'objet d'un appui. Nous avons également le sentiment que l'UE à appliquer sa façon de penser, cherche en fait une solution inclusive pour une question qui en fait est vraiment complexe. Il y a de nombreux éléments scientifiques à prendre en considération pour cette question. Ceci serait positif. On pourrait utiliser ce qui est utilisé, proposé dans, comme voie à suivre dans le document 66.4.2 et nous soutenons donc nous suggérons son acceptation de ce document. Nous sommes également d'accord. Nous mettons en adéquation
nos commentaires avec ceux du Botswana. Nous souscrivons à ce qu'ils ont indiqué quant à la procédure de la COP18 et l'adoption de certains des textes dont nous sommes à présent saisis. Merci. Merci, Eswatini. Le Liberia, à présent, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Nous sommes l'un des États de l'aire de répartition des éléphants d'Afrique. En conséquence, nous considérons inacceptable que de poursuivre de telles actions. Ces espèces ne doivent pas faire l'objet d'une telle tragédie. Il ne faut pas garder ces animaux en captivité à des fins commerciales. Nous souscrivons donc à ce qui était indiqué par le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin. Nous rejetons donc la proposition de l'UE telle que proposée. Merci, Madame la Présidente. Merci au Liberia. La Zambie, à présent, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je serai bref, tel que vous l'avez demandé. Selon nous, les auteurs des documents font fi des États de l'aire de répartition en Afrique qui disposent, en fait, la grande majorité des éléphants sauvages d'Afrique. Et nous devons gérer, en fait, des questions de conflits humains-animaux, des aires de répartition qui diminuent, des restrictions de capacité, étant donné l'immense population d'éléphants avec plus de 200 000. C'est dans un tel contexte que nous rejetons la proposition de révision à la résolution CONF 10-10 telle que présentée par le Bénin, Burkina Faso, Éthiopie, Guinée, etc. Nous pensons qu'il faut plus de temps pour étudier cette question, pour avoir des discussions justes, équitables entre les parties et les autres parties prenantes. Nous soutenons ce que l'UE a suggéré dans le document 66.4.2. Je vous remercie. Merci à la Zambie. Juste un peu avant 17h, je n'ai pas eu la possibilité de donner la parole aux observateurs. Nos discussions ne s'arrêtent pas ici. Dès demain matin, nous allons commencer avec les observateurs, puis je redonnerai la parole aux partis pour voir s'il y a des points de vue supplémentaires que vous souhaitez partager. Vous pouvez y réfléchir pendant cette nuit. Moi, je vais réfléchir à la direction que nous allons prendre. J'encourage les partis qui ont un intérêt particulier. Si vous en avez la possibilité de parler avec vos collègues, voyez si vous pouvez trouver d'autres voies à suivre, des voies que nous n'avons pas entendues aujourd'hui. Voilà. Ceci étant dit, et en vous rappelant que demain matin, première chose, nous allons passer en revue les comptes rendus résumés 2 et 3. Je regarde le secrétariat, voir s'il y a d'autres points peut-être de logistique. No housekeeping from the secretary. Pas de point logistique. Rappelez-vous qu'il y a une réunion du comité 1 ce soir, donc de 19h à 22h. Pour ceux qui participeront donc au comité 1, c'est la porte à côté à 19h. Venez tôt. Il y a des manifestations parallèles. Il nous a fallu 25 minutes hier pour avoir le quorum. Donc je souhaite un meilleur sort au comité 1. Voilà, je vous donne rendez-vous demain matin et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée.